caillou, à qui on vit qui plaît la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, membres de la grande famille du ministère de délivrance, bonjour, bonsoir. Nous disons bon Dieu merci parce que l'été permet de nous passer une bonne matinée de sabbat. Maintenant, dans l'après-midi, nous allons présenter leçon 5 ans, qui sont une très belle leçon qui vient pour titre « Expiation horizontale, la croix et l'église ». Nous félicitons parce que tu es là avec nous pendant toute semaine de prière. Là. Ça fait un grand plaisir. Et nous invitons à dimanche soir pour grande ouverture campagne. Là. Donc déjà, nous demandons pour capable partager lien ça avec plusieurs personnes pour nous capable vivre ensemble campagne évangélisation ça. Semaine passée, nous avons étudié une très belle leçon qui fait nous comprendre que bon Dieu vient au secours de nous-mêmes. Maintenant, nous allons voir comment expiation horizontale ça, la croix et l'Église qui profit que nous gagnons dans la vie spirituelle nous. Avant de nous placer un mot dans le contexte de la leçon, nous invitons à faire mes yeux pour la prière. Bon Dieu, Papa, nous qui sommes dans le ciel, nous exaltons, nous louons et nous remercions chaque jour parce que nous avons une possibilité pour nous parler de vous et en même temps méditer sur la parole pendant que de jour en jour, de seconde en seconde, nous rapprochons vers vous-mêmes. Bénis-nous, pardonnez péchés, nous prions concernant nous, Jésus. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, leçon semaine ça sont très belles leçons et qui pral fait un pile impact dans la vie nous. Titre là c'est expiation horizontale, la croix et l'église. Verset à mémoriser. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ, car c'est lui qui est notre paix, lui qui a fait que les deux soient un. Éphésiens 2, le verset 13 à 14. Jodiana Plitexa, nous pas vraiment comprendre qui conflit qui existait entre un juif et non juif. Mais conflit a arrivé jusqu'à la mort. Donc, te kon gen la mort parmi yo, te kon gen bataille nan mitan yo. Nous capable dire ça comme ça. C'est ça que fait expiation li pral vini avec un nouveau monde. Nous capable dire ça comme ça. L'a vini avec un nouveau monde. Côté bagay yo jan yo te ya yo pa même jan encore. Expiation c'est une doctrine que nous joignons dans le judaïsme. Nous jouons dans le christianisme, nous jouons dans l'islam. Et gagnent aussi indien yo en Inde qui pratiquent le tout. Dans la religion indienne, yo pratiquent la religion sarele jainisme. Eh bien, yo dit c'est en façon que être humain capable de jouer pardon dans mes papa bon Dieu. Yo dit c'est un processus parce que être humain est arrivé péché. Donc pour juif yo, quand on parle de Yom Kippour, yo est exactement grand jour expiation, jour côté a besoin pardon pour tout péché yo. Donc jour ça, li pa gen pareil. Et yo te remen jour ça parce que yo connaît depuis yo rive la dan tout péché yo pral pardonner. Et bien il te fait référence avec la mort de Jésus-Christ. Côté nous vinn réconcilier avec bon Dieu. Donc nous, c'est ça que fait lui parler de sang. Si sang pas coulé, pas bien pardon pour péché nous yo. Après le péché d'Adam et Ève, nous te pral ouais bon Dieu, eh bien, li t'a pral prend un agneau, il t'a pral sacrifier lui et il t'a pral mettre poids sous monsieur Damio. C'est de même aussi Caïn avec Abel, t'a pral venir avec même processus là mais à l'exception de Caïn, Abel t'a pral fait sacrifice. Et tout parcours peuple hébreu rivé jusqu'à l'heure pour parler aux juifs, yo te kon fait en pile sacrifice bien que de nos jours nous connaissons une série de grand partie là-dedans qui pas accepte Jésus comme messie, yo toujours à continuer faire sacrifice. Mais n'a dit ou bien après la mort de Jésus-Christ, après voile temple te fin déchiré en deux et mais côté yo un lieu très saint, maintenant vinn pas grand importance encore avec système cérémoniel ça. Parce que Jésus mourit. Et c'est dans la mort Jésus-Christ, nous pral dire, monde lent,
gen yon nouveauté de vie, gen aspect social qui change la donne. Parce que te gen guerre froide entre juifs yo et non juifs yo, nan mentalité yo, nan langage yo, yo te paraît hostile et m'di nou yo te violent. Yo kon même arrivé tuer yon monde qui pas juif et selon ça ou ta même arrivé comprendre. Si ou a laissé regarder dans introduction leçon 1, y a dit bien sou rentrer dans temple yo dit pi go rentrer là ou a mourir. Ou ta dit bon, ou accepter Christ, ou a marcher avec Jésus, mais l'on rentre dans temple on côté ou dit pi go rentrer. Yo pas d'accord moun qui pas juif rentrer et de pour rentrer, y a détruit ou. Donc pour Jésus capable retirer élément et meurtrier ça nan mitan monsieur Damio, maintenant li te vinn mourir. Expression qui parlait de horizontal là ou vertical là, c'est exactement l'unité que la mort de Jésus-Christ ramenait dans une dimension spirituelle premièrement, côté réconciliation faite, côté l'homme capable d'approcher de Dieu en Jésus, et deuxièmement pral gen yon relation sociale tout qui pral bâti côté eh bien juif yo avec non juif yo, yo pral réconcilier, yo pral zami. Parce que fòk juif yo al prêcher non juif yo, ça c'est une bagay qui te bay plus problème. Mais c'est ça fait Jésus pral conseil de texte nous pral wè qui pral parler côté yo pral prouver nous que juif yo doit aller vers les non juifs. Donc vous êtes mes témoins à Jérusalem, well, dans toute la Judée, dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Côté nous pral joindre Paul en tant que juif, li pral parcourir tout pays côté eh bien non juif yoyé pour capable prêcher l'évangile. Donc ça c'est la croix qui gagne là en dimension sociale. Parce que n'a tout bien la croix li gagne deux éléments puissants la donne. Li gagne les éléments spirituels côté tout chrétien aller vers Dieu, mais li gagne éléments sociaux tout. Côté amour fraternel la doué prend naissance, aime ton prochain comme toi-même. Disciple t'a pral poser Jésus question ça, qui est-ce qui prochain yo? Parce que yo même yo pas connait l'autre monde qui capable prochain yo que un juif, mais Jésus pral dit prochain c'est monde qui beaucoup tout là. Donc tout monde capable toucher avec elle, c'est prochain. Tout monde capable rencontrer sur tout, c'est prochain. Tout monde capable vivre avec lui, c'est prochain. Et nous pral ouais Satan jusqu'à présent l'a lutté contre amour ça. Côté li pral mette yon guerre raciale et côté yo pral jeune raciste, mais toujours à persister. Maintenant li vinn pa yon élément de juif avec non juif encore. Maintenant li vinn Satan vinn poter non couleur, non question couleur peau. Côté eh bien raciste là, li très 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 puissant à travers le monde. Jodi a la nou wè c'est raciste qui cause en pile moun a mouri et à travers le monde, nous capable di ça comme ça. Donc on va comprendre et nan tan Jésus a juif yo non juif yo, yo pa d'zami. Donc Jésus mouri, vin gen parti qui allait bien. Donc en dan christianisme là, ou jwenn réalité ça côté gen raciste oui en dan christianisme là parmi moun ki an dan l'église, gen raciste oui. Mais li pa aussi cruel même gens avec moun yo ki nan monde là qui raciste, parce que bagala vraiment red nan monde là. Donc nous dit bien quoi là li gen porté social. Côté nous devons apprendre à vivre avec l'autre. Si nous regardons là au milieu des haïtiens, nous avons un gros problème social, parce que si un haïtien qui a détruit un haïtien pareil, nous avons un gros problème social. C'est ça que fait nous dit bien ennemi toujours là l'a travail, mais le travail sont l'autre forme. Moi même on pas cap faire leçon ça avec vous pour me pas présenter toute forme ennemi à travail. Oui, en dans questionnaire il parlait de juifs et non juifs. OK, ça c'est dans temps Jésus ya. Mais toujours gen raciste jodi a là, et gen raciste même à l'intérieur de l'église. L'aime dit à l'intérieur de l'église, m'pas ouais l'église locale koto ya non, mais moi ouais l'église mondiale. Moi ouais l'église mondiale là gen raciste en dan jusqu'à présent, et nous parmi les nations gen pile raciste, ça qui cause en pile mon a mouri tout. Donc on d'accord ensemble avec moi bon Dieu, ils font travail extraordinaire, mais faut qu'on gen pile courage pour supporter, parce que l'autant de racistes ça, autant de moun nan dou lesse moun ki blanche, ils sont étrangers, les rouges, li pa reme moun ki noir, li pa vle moun ki noir, li détruit moun ki noir, tire sur yo et fait des choses extraordinaires avec yo. Et non l'autre point comme m'parlo, moi dou gen un petit problème parmi les haïtiens, ouais yo pas capable entendre yo, nous gon petit problème entre nous et tout ça yo
c'est ennemi qui vient avec yo, nous avons un problème en tente. Donc nous ouais aspect social là que unité a bon Dieu besoin établi a li difficile parce que nous verset à mémoriser pour aller dire comme ça car c'est lui qui est notre paix, lui qui a fait que les deux soient un. Les deux soient un, c'est exactement dans toute modalité qui a rapport avec l'expression de la croix. L'unité entre l'homme et Dieu et l'unité entre l'homme et l'homme. L'unité entre l'homme et Dieu, les plus ou moins facile. Well, les plus ou moins facile parce que depuis qu'on a fait une croix dans bon Dieu, le baptisé et puis la braler. Mais nous avons une grosse difficulté avec l'unité entre l'homme et l'homme parce qu'on dans l'église là souvent l'église là deux monde qui chita yo pas en mivré yo n'pas capable expliquer à l'autre problème yo et yo n'pas capable vraiment et pas facile or apôtre Paul dit au point où nous sommes pas venus donc c'est l'aspect social marchons de même pas c'est l'aspect spirituel au point où nous sommes pas venus c'est l'aspect social la psychosociologie l'unité ça nous est aspect ecclésiastique là l'église ou pour nous sommes pas venus, nous fait l'église, marchons de même pas, c'est ça Jésus dit nous pour nous faire. Donc l'aspect spirituel, là nous est la croix, côté Jésus, li campé sous quoi et aspect horizontal là, well et qui c'est un élan côté deux mains ouvertes vers l'ouest, vers l'est, vers le nord, vers le sud pour tout le monde capable unir en Jésus et lui-même lui permettre que nous capable unir entre nous-mêmes et bon Dieu. Donc nous ouais mes bien-aimés dans le Seigneur malgré toute tentative Jésus fait eh bien ennemi a toujours à frapper bien raide ça qui cause processus salut pas difficile non mais nous avons difficulté pour nous comprendre parce que jusqu'à présent nous pas capable remer l'un avec l'autre. C'est vrai. Nous capable dire ça. N'a pour par exemple gen moun k'ap fè plan pour yo changer machine yo de $3,000 à $10,000. Mais par contre, yo konnen yo gon frère adventiste yo, yo gon sœur adventiste yo ou peut-être yo gon frère qui pas obligé adventiste qui sont chrétiens, qui croient en Jésus mais pourquoi adventiste? Yo pa pè d'elle. Ou pa joine yo aidèl. Non, pa gen aide. Li difficile. Li difficile comme si moun nan pas vraiment décidé aider un autre moun. Li ouais qui n'a nécessité, qui n'a besoin. Li pas fait. Bon, moun yo tellement ti gens difficile, même leur décidé prêcher l'évangile, ou prêcher l'évangile. Ou pas, yo pas décidé by aide pour que travail ou capable fait, non? C'est pas extraordinaire. C'est pas leçon ça, nous pral ouel tout, nous pral en pile détail dans leçon ça, moi même m'a détail là avec nous. M'a pas pral mettre de l'eau dans bouche moi pour me pas dire nous ça que nous doit tendre yo. Mais m'a dit bien l'unité que bon Dieu parle que le fait en Jésus avec nous hein, nous pas uni vrai nous pas comprendre ça bon Dieu a fait nous plus ouais parti comme si nous pas vle un monde comme si grandi pas comprendre comment mentalité nous y est entre nous et frère nous mais Jésus même il parle là well au point où nous sommes pas venus donc l'homme rencontre avec vous nous supposons amis. On pas supposé peut parler avec vous, mais à cause de tempérament, à cause de mentalité, et vin joindre même Jésus à fond déclaration, gon série de monde qui parmi nous, ce sont des lourds ravisseurs que yo yé. Yo pas vin régler bay sérieux, ça qui vin fait que nan paix agi et pour nous pas tomber sur un lourd ravisseur, nan paix agi pour nous pas joindre un lourd ravisseur pour qui on comprenne fan nous en deux, si me dit ça comme ça. Donc nous tout vin pas capable gérer moun ki vraiment sincère avec bon Dieu ya. Mais on côté encore nous joindre division à l'opposé parce que nous tellement gain problème entre nous tellement gain des moun qui rentrent dans l'église là yo pas venir régler bagaille l'église vrai et bien une série de moun qui fricate qui pas à l'aise imagine au finir l'homme nous parler avec nous dire nos bagaille ou pour sortir dans porte l'église là ou qu'étant rencontré avec Paul qui a parlé sur la cour l'église là comprendre ou échoué. Ou échoué ou vinn peut parler avec moun ou vinn peut expliquer moun ou fin ba yon moun aide et ou plusieurs moun envahou et yo doute ba tel donc tel al fait moun pour nous comprendre tout ça yo c'est ça qui fait qui et c'est ça qui fait grand pile moun qui gagne inquiétude grand pile moun qui gagne inquiétude dans sens ça yo vraiment pas connait qui ça pour yo faire dans l'église yo vle aider yo vle avancer mais yo pas connait qui moun pour yo rencontrer même a don ti bagaille et ou doit prier bon Dieu ou doit prier bon Dieu leur prier bon Dieu l'a orienté ou l'a orienté et travail bon Dieu a fait quand même. Maintenant nous ouais en dans le son dans partie dimanche là comment nous pour rapprocher de bon Dieu
Oui, nous pral rapprocher de bon Dieu, mais rapproche ça, eh bien, li pral faire en pile guerre suspend fête nan partie lundi ya, en pile guerre pral suspend fête et nous pral wè gen mur qui pral tomber nan partie mardi ya, en pile mur pral tomber et Jésus te commence écraser mur, le dal pal avec dame samaritaine nan, OK? Parce que nous te dit bien, nous faut te présenter le son ça sous la Samarie qui était en conflit avec les Juifs, les constructions murailles Jérusalem nan ta fête, yo pas de zami et te gen gros duel entre yo même, ça qui te fait toujours été ennemi, Jésus t'écrasé muraille ça. Et dans partie mercredi, nous parlons ensemble Jésus prédicateur de paix. Donc c'est Jésus qui a parlé de la paix. Dans le sens, ça m'a tout notre histoire de yon moine qui t'est arrivé converti. Le moine suivent en tant que maître, yon le Jésus maître, il était qu'on lit l'évangile Jean, et puis lui ouais maître là, baissé, la lavé pied, disciple, la foncé de bagaille. Or lui même en tant que moine, disciple, c'est eux-mêmes qui mettent manger dans bouche moine. Well, moine en chef là, mon cher, c'est gros cause. Oui, c'est disciples qui font série de bagailles pour lui. Il saisit pour lui mettre que lié ces disciples qui font série de bagailles pour lui, pas fait rien pour yo. Et monsieur t'a dit bon, gèl elle est pas vraiment dans vraiment religion, hein? Il t'a pas accepté le christianisme. Donc Noé Jésus il parlait de la paix, il parlait d'une paix à double portée. Une paix entre nous-mêmes. Aspect social là, mes amis, faut nous battre entre nous. Même le peut-être n'a tombé son lourd ravisseur, mais faut nous battre entre nous. Priez bon Dieu pour nous capables de joindre moun que nous devons faire la paix avec yo, parce que nous pas de gagner une guerre entre nous et nous connaissons toute qualité de guerre, gagne incompatibilité de tempérament, de comportement, de langage, de style de vie. Nous devons batailler pour bagaille ça yo, oui, nous devons batailler pour bagaille ça yo. Et nous ouais, l'église là un temple saint. Donc côté tout saint yo réuni, eh bien yo vinn faire l'église là paraître un lieu qui sanctifié pour que bon Dieu capable glorifier. Donc mes bien-aimés dans le Seigneur, à travers le son semaine nous pour découvrir toute qualité mensonge qui entre nous, nan mitan famille nous, nan mitan zami nous, nan mitan et ménage, nan mitan fiançage. Comprendre tout menti qui nan mitan nou yo, nous de retirer yo pour nous capable vivre sa bon Dieu di a. C'est belle bagay ou là nous fait la paix entre nous. You n'a pensé pour l'autre, you n'a on prévoit pour l'autre, you n'a imaginé pour l'autre. Well, c'est belle bagay, mais bien malheureusement ennemi vin avec un gros problème qui fait que you n'a pas aimé l'autre. M'a dit non, ça c'est pas seulement haïtien qui gen problème, you n'a pas aimé l'autre, mais nous joine gon guerre raciale. Regardez ça y a fait nous là au Saint-Domingue, c'est gros causé. Regardez ça qui a privé nous là dans l'autre pays yo, en Chili, Brésil. Donc l'important pour nous comprendre que vraiment il faut nous remettre nous à Christ pour nous capable sauver. Que le Seigneur vous bénisse. N'a bon rendez-vous avec le son dimanche qui a pour titre rapprocher en Christ. Mon ami n'a invité à fermer les yeux pour la prière. Bon Dieu papa nous qui dans ciel là, merci parce que vous avez dévoilé nous au fur et à mesure ça que vous parlez maintenant mitan nous, mais qui existait, que vous voulez pardonner péché nous pour capable sauver nous. Père, ba nous force Saint-Esprit pour nous capable exactement faire ça nous devons faire. Nous prions concernant notre Jésus qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen. Sauti 11h, rivé minuit, avec ministère de délivrance, vient passer un moment de prière. Un moment côté où on recharger batterie spirituelle. Et un moment tout côté où on paye bon Dieu sous sérieux. Et comme ça, n'a toujours content dans le nom de Dieu. Et puis, délivrance par nous toutes, yo assuré dans le nom de Jésus.